l'heure où je parle, que la lumière vienne. Amen. Envahisse ton âme. Amen. Envahisse ton cœur. Amen. Illumine ton esprit. Amen. Reçois la lumière. Je la reçois. Et tu arrêteras de tâtonner en plein jour. Tu cesseras d'être ridicule. Donc, que la lumière vienne. Amen. Alors maintenant tu comprends quand Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 5. C'est-à-dire que Dieu a voulu par cette parole que la lumière soit. Il a voulu se révéler. Il s'est révélé. Maintenant, les choses sont claires. Je dois commencer la création. Quand la lumière vient, la création doit vous suivre. Quand la lumière vient, la santé suivra. Amen. Quand la lumière vient, le mariage arrive. Amen. Quand la lumière vient, la montée en puissance arrive. Amen. Sinon tu vas entrer chez toi, tu crois connaître le couloir de la maison, mais le diable voit combien tu tâtonnes et il se moque de toi. Chrétien, pasteur, yak, chanteur, qui que tu es, ça n'importe pas l'ennemi. La force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Et la faiblesse des ténèbres, c'est la présence de la lumière. C'est pour cela, la force de l'imposition vient de Dieu et elle a imposé la lumière. Par cette phrase, que la lumière soit. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est ce qui vient éclairer et qui rend les interventions divines visible. C'est pour cela, elle est avant toute chose. La lumière s'impose d'abord. Pourquoi la lumière? Parce que souvent, nous chrétiens, nous sommes totalement ignorants de l'adversaire qui est en face de nous. C'est pour cela, tu dois refuser l'état dans lequel tu te retrouves parce que tu es géré par les ténèbres. Que la lumière soit. Amen. C'est seulement à cette condition de lumière que je peux désormais combattre les ténèbres avec discernement, avec sagesse divine et avec les stratégies que l'onction ordonne. Avec une perspective de victoire éclatante.